Allez, en route pour le Touquet. Une pas trop chargée. Bah, bonne route. Bah ouais, on va essayer. Sois prudent. Ouais, et puis je te tiens au courant de ma progression. Petite pause. Bon, c'est pas parfait. Il faut mieux pas avoir ça à côté de chez soi. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Parce que le bruit que ça fait. Je suis loin là. Il hein. Y a du vent. Ben, voilà quoi. Il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, je vais repartir. Sinon, la forme. Nickel. Il n'y a pas de problème. Tout se passe bien, quoi, il pleut pas, déjà c'est le principal. Chez la moto, on est plus pécable. C'est calme. Donc là, a priori, c'est où on est, le printemps. Bon, on va aller faire un petit tour. Regardons. Même pour fermer. Là, c'est la campagne ici. Voilà, nickel. J'avais pas vu ça comme ça. Interdit de fumer. Ah oui, c'est quand même petit. Hein. C'est propre, mais c'est petit. Ouais, pas si mal pour deux jours. Hein, quand ça commence comme ça, souvent c'est pas bon signe. Quand le dernier jour il y a un problème sur la moto, tu te dis là, ça sent pas bon. Mais bon, comme quoi, c'est l'avantage peut-être des anciennes,
c'est qu'il y a de la pièce et que ça se répare quand même facilement. Ah, la quoi. Pièce, c'est chaud. Hein. C'est chaud quand même. Monstre. T'as vu le XR, comment il est beau? Apparemment, il a, c'est un lycée, c'est un gros lycée qu'il a et il n'a pas eu l'autorisation de. Ou il a pas. Enfin, il a trop de trucs à faire dans ce gros lycée. Enfin, c'est ce qu'il a dit sur internet. Et donc, bah, il est enregistré, il avait tout. Hein. D'habitude, il est directeur d'école. Et d'habitude, il n'est pas, pas aussi sollicité. Et là, c'est un gros, c'est un plus gros lycée. Et il n'y arrive pas à réussir. C'est ce qu'ils disent. Donc, il n'y aura que toi, du coup. C'est parti. Même les lentilles. Même les lentilles sont faites. On a eu un peu de mal, hein. On s'y est pris à plusieurs fois et à deux. Nous demandez pas comment on fait les lentilles à deux. Bon allez, c'est parti, on est en retard les gars. Ils sont équipés. Hein. Alors, ça grimpe. Ça va consommer. Bon, et voilà. Voilà où on est. Bon, on est loin des 700. Hein. Il y en a pas mal, il prévoit même pas de venir ici, je crois. Allez, on verra tout à l'heure pour la course. Bon alors, ready? On est parti? Super. Allez, attends, je mets ça dans le sac. C'est bon. Allez, bah, à tout à l'heure. C'est parti. Thank you.
Bon, ça va, pas trop le stress? Pas du tout. Ça sera au moment de démarrer la moto. Ouais, ça, ouais. Quand je vais arriver sur le sable. Ah, c'est cool. Tu me feras penser quand même à te filer ça. Hein. Mets la chasuble. On aura pas à la remettre. Bon bah ouais, on se retrouve sur la droite hein. Ouais, sur la droite, ça marche. Faut qu'elle démarre. Hein. Si ça démarre pas, tu me retrouves sur la droite à pied, je me mets quand même à une cinquantaine ou une centaine de mètres. Hein. Tu peux la sortir là-bas, non? Ouais, après ça, ok. Juste là, non? Bah, après le machin, faut que je te regarde quand même. Ouais, je sais où t'es. Donc je me mets sur le côté et puis... Peut-être pas tout serré, mais tu veux gérer ou... Pardon.
Bon, je vais voir mon copain, je vais voir s'il est là. Aucun problème. Alors, je suis lui. Ça va aller? Apparemment c'est super dur hein. Apparemment c'est une vraie catastrophe. Mais bon, il a déjà fait un tour. Avec les 4e ? C'est les 4e quand ils sont arrivés là, il y en a 3 ou 4 qui étaient ensemble. Et ils sont tous arrivés hein. Bah t'as enlevé quoi ? T'as enlevé. Bah j'ai enlevé tout le cache, qui cramé, et puis après ça l'échappement, j'ai fixé avec du fil de fer. Non, j'ai un pneu classique. Et en fait, au moins, ça mouline un peu, tu sais. Je trouve que bah, j'aime bien parce que c'est assez souple. Tu la sens partir. Ouais. Bon, 490 quand même. Très, très facile. 395, ah, putain. Ah, ouais. 395e. 395e. Wow. Et comment tu le sais?
Eh, hey, comment tu le sais? Eh, comment on peut le savoir combien on est? Bon alors, du coup, t'es ready pour le hard défi tour, mon salaud, toi? Tu vas avec la T7? Tu fais le truc avec Yann Dupré, hein? Avec Yann Dupré là? Non. Avec un autre de Pack. Hey. Tu fais de la moto en dos, beaucoup de stagines. Moi, ouais. Mais bon, j'ai jamais fait et j'aimerais bien, quoi. Ouais, c'est à faire dans sa vie, quoi. C'est bon, tu viens. Tu vas sur la ligne droite quand même, tu dis. Ah, la ligne droite, ça doit être quand même quelque chose. Ah ouais. Ah, la ligne droite. J'étais dans le. Ouais, bah j'ai passé 5. Après, j'ai dit putain, mais si je m'en mets une là, j'étais. Ah ouais, c'est ça. Faut pas réfléchir à ça. Si je me tape une boîte. Je suis mort. Non, ne pense pas à ça. Ça va être fini. Mais exactement, regarde. Il y a un 3, il y a 3 Mavic Dead. Voilà, les seuls. Trois tours il a fait, 375e. Moi ouais, c'est un malade aussi, hein. C'est un malade. Tu l'as vu passer non? Non, parce que des unités, il n'y en avait pas beaucoup, hein. Il y avait 2-3-4. Je me suis enterré deux fois dans l'école. Ah bah, après tu m'étonnes. Mais on empêche, ça réussit. Bloqué. C'est la chance, hein. Après, le truc marche, après. Moi aussi, j'ai acheté 1500. Et l'histoire, c'est faire. Alors, mon salaud, j'étais sur la droite, moi. Je t'ai cherché, je t'ai même pas vu passer. T'es passé comme une. Tu sais, au départ, là, tout au début. T'étais dans les premiers, donc. Premier, et je me suis mis côté mer. Non, mais moi, non, c'était en partant de. Non, c'était en partant de là-bas. T'avais deux vagues. Oui. Je suis parti en première vague. Ouais, bah, je t'ai même pas vu dans la première vague. C'était à droite, je me suis mis côté mer. Allez, on y va, on est pour un. Et du coup, comment ça se passe là pour laisser. Vous laissez les motos comment vous faites là? Comment vous faites? Vous laissez les motos vous? Vous laissez les motos ici? Bon, la BM, pour moi, vous paramètre là. J'ai mais c'est moi, Vous êtes arrivé à quelle heure? Moi, je me mets là et tu tires le truc et puis on y va en moto. Allez, on va y aller à pied, attends. Allez, go! Bon, c'est parti alors! Moi, la GS était en 6ème à 40, et je trouve ça repart. Moi, j'aime bien, moi, j'adore ce moteur. Ouais. Et je suis vraiment amoureux de ce moteur. Mister! Un endroit est sympa. Humide, mais sympa. À l'époque, c'était le top, quoi. Ouais. Mais ça saucissonne toujours. Ça quoi? Ça saucissonne. Ah ouais? Le cadre était pas assez costaud. Par rapport au moteur. Déjà à l'époque? Ah ouais, c'était les plus puissantes à l'époque. Hein. Les mecs, regarde. Ils achètent déjà des machines, c'est pas d'origine, hein, nos links là-dessus. Ouais. Je sais pas, hein, je pense pas. Hein. C'est le petit Olinx à 1500 balles. Ouais, minimum, ouais. Ouais. Avec bonbonne séparée, c'est plutôt 2000 balles. Ouais, 2000 balles. Ah, moi j'en ai un sur mon Ténéré, c'est vrai que tu vois quand même la différence. Hein. Ouais. Alors, pas dans le lent. Dans le lent, c'est pratiquement pareil. Mort sur le rapide, la moto est. Un rail. Ah mais moi j'ai des problèmes d'amortisseur sur la vie. Mais je pensais que je pouvais remonter la. Ça sert à rien le ressort, tu as la même amortissement. C'est juste l'assiette de la moto qui change. D'accord.
ça va rien. Donc faut changer le mode, faut changer. Si tu veux avoir un ressort plus dur, enfin si tu veux avoir un truc plus dur, faut changer le ressort. Il n'y a pas le choix. Tu conseillerais de le faire ? Bon bah on attend. On attend, on attend. Allez, calme-moi un jingle, je peux corriger tout voir. 5 secondes, on est parti dans la C'est parti. Le départ est donné. C'est parti pour la première partie du jardin. Un écart qui se tranche sur la tête, les pilotes sont touchés. Bien fait, c'est bon. Les pilotes font un peu devant la vitesse. Kellett, mais c'est vrai que Kellett s'était arrêté ravitaillé. Une autre incertitude qui plane sur la fin de course, et les pilotes Honda auront-ils
ravitailler dans les bonnes conditions pour pouvoir franchir éventuellement la distance supplémentaire qu'imposerait ce tour. Mais bon, pour le petit chèque quand même, il a pris cher. Hein. Au bout d'un quart d'heure. Ouais, dur. Vraiment dur. Hein. Fin de la première journée, je me rappelle, on passe vers Bordeaux, vers la nuit. Moi, j'aurais voulu voir un 80 GS. On est dans le sud de l'Espagne. Ouais. On devait passer par Ceuta, Ortax, donc on ne voulait pas refaire du gasoil en Espagne. Donc, on est assez tranquille. Donc, on s'arrêtait pour manger, mettre du gasoil. Et même deuxième nuit sur la route. Sans dormir. Enfin, théoriquement, ceux qui conduisaient oui. Pas dormaient. On était trois devant et un sur une planche en travers au-dessus des motos. Les cinq. On arrive vers Xérès, dans le sud de l'Espagne. Je conduisais, je ferme les yeux. Oh merde. Je rouvre, il y avait un virage, un coup de volant, et il y avait un grand terre-plein avec un tas de gravier. On tape le terre-plein, le transit il part en l'air, on a fait 360, on retombe sur les roues. 360 degrés. Vraiment. Les petits loups, continue de parler un petit peu. Je rallonge un peu la sauce pour essayer. 360 et comme ça quoi. Parce que j'ai tapé sur le tas de gravier. Ouais. Il est parti en l'air, le toit un peu plié. Mais sans plus quoi. Sans plus. Le pare-brise n'était pas cassé, il était posé sur la route. Attention. C'est presque les impossible. Porte arrière. Non, bah si avec le choc et le truc qui l'a bloqué, toi. Le pneu avant avait éclaté. Le transit, c'est un pont, pas un pont, mais un essieu rigide à l'avant. Ouais. C'était un peu décalé. Oui, quand même. Ouais. Les deux portes arrière s'étaient ouvertes, mais avec les motos bloquées, ça bougeait pas. Et personne de malade, personne de. Non, pas une égratignure. Celui qui était en haut sur le toit. Tout le monde réveillé, bah. Un peu bizarre. Et on veut pas voir la garde civile. En 20 minutes, on avait changé la roue, on avait reposé le pare-brise avec du scotch américain, ouais. On a fermé les portes, on est parti. Et il nous a ramené jusqu'à Agadir. Il était pas en forme quand même. Quoi, mais, L'épicier, le père s'est démerdé avec un carrossier. Il l'a refait. Le toit était un peu cabossé. T'étais sûr d'avoir fait un 360? Ah, sûr. Sûr. Et on roulait pas très vite. Ouais, non, mais des fois, ça suffit pas. Hein. Et ce qui fait qu'on s'est endormi. Les Anglais. Charlie, il y a un stress à gauche. C'est marrant.
C'est le père du vainqueur. Le père du vainqueur. Bon, l'équipe de choc. Alors, bon bah écoute, bravo. Bah ouais. Bravo à toi, ouais. Toi aussi, hein. Puis, tu m'as supporté pendant 3 jours. Bah, ça a été très compliqué, ça a été super compliqué. Ouais, un beau team qui gagne, ouais, hein. C'est ça. Et puis bah, l'année prochaine, enfin j'espère avant. Ouais. Et, bah, de toute façon avant, mais l'année prochaine, faut trouver une on solution. On va essayer, hein, de trouver une solution. Ouais. Bon, faut chercher des sponsors. Et un nouveau mécanicien si je le fais. Ouais, exactement. Super. Parti. J'ai trouvé un nouveau support de téléphone. Je te montrerai, c'est un petit peu plus léger, mais le prix est compétitif. Ah ouais, non, bah, tu vois, moi je recycle, tu vois, parce que j'en ai deux du coup. Je recycle parce que celui-là, je m'en sers pour Waze. Et celui-là, je m'en sers pour Osmond, tu sais, pour faire ma route. Donc il y en a un qui regarde les radars et l'autre qui fait la route. Ouais, alors les bêtes. Les mémères, elles sont là. Les mémères, elles sont là. Elle est propre aussi celle-là. Hein. Ah ouais, celle-là. Ouais. C'est à qui celle-là, c'est... Ça, c'est à moi. C'est à toi, c'est la moi, tienne. D'accord. Ouais, ouais, ouais. J'aime bien la chaîne comme ça avec les couleurs de. Bon, bah là, maintenant, j'ai trouvé des trucs, tu peux avoir les chaînes des couleurs que tu veux. Bon, bah celle-là, elle est pas vieille. C'est les deux cas, c'est comment à Toto. Mm-hmm. Et la 350DR. C'est la Mifang. C'est la Moto Junior. Mm. Voilà. Elle est sympa en même temps, un petit 350 DR là, c'est. Bah, c'est bien top, pour Frange aussi, comme ça c'est pas. Il se balade pas avec un morceau. Oh, j'ai même pas vu ton IT avec tout ça. Bien. Plus que celle-là, parce que le moteur est beaucoup plus sollicité. Allez, bye bye. Ouais. Rentrez bien. Salut. Et à une prochaine. Tu fais combien de restaurants sur le chemin du retour? Aucun. Je sais même pas si je vais bouffer, parce que j'ai rien à bouffer. Je sais même pas si je vais m'arrêter pour bouffer. Bon, on a bien bouffé quand même ce week-end, donc il y a de la marge. Il y a de la marge. Allez, bye bye. Bye bye. Ton IT. Elle est vraiment belle quand même. Elle était bien refaite, hein? Ouais, ça va. Mais bon, j'ai racheté tous les plastiques, tout ça, ça va se faire. Et pourquoi tu rachètes les plastiques? Pourquoi tu les ponces pas? Là, non, je vais avoir les plastiques qu'on peut les acheter, et ce qui fait que j'en aurai un double jeu. D'accord. Comme ça, au moins, t'es tranquille. Bon, bah, passage à côté de Chantilly. Toujours aussi sympa ce château. Vraiment très joli, je me souviens. On l'avait visité avec les filles.